Salut, salut à tous, ici Darushka pour Darushka TV. Aujourd'hui, je présente le build, le speed build T6 pour sorcier. Alors, commençons tout de suite. Donc, je vais vous présenter d'abord le stuff. Donc, vous avez besoin de la baguette de la saison 1, le Navigator, qui permet de ne plus avoir de temps de recharge sur la téléportation, mais elle coûte maintenant 25 points de puissance arcanique. Ensuite, 6 pièces Talracha, gants, torse, casque, jambière, source et enfin amulette. Les 6 pièces Talracha vous permettent d'envoyer des météorites toutes les 8 secondes de chaque type, d'augmenter vos résistances. Et l'ensemble 6 qui permet de booster vos dégâts. Waouh, ça fait juste le café. Ensuite, les épaules, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis des rois squelettes. Parce qu'elles sont anciennes et parce que comme ça, j'ai une extra life de temps en temps. En ceinture, j'ai mis l'arc de crime pour booster les dégâts. On est en T6, on rigole plus, on one shot tout. Allez, en avant. Très important également les bottes de Nilfur qui permettent de booster vos météorites. Et oui. En brassard des patois qui permettent de garder en fait une bonne un bon niveau de robustesse de défense. Vu que vous avez 10 millions de robustesse seulement et buffé vous n'en avez que 12 millions, c'est très peu. Au niveau des anneaux, vous avez contrainte, catalyseur, très très bon duo. Très bon duo de dégâts. En gemme, fléau de puissance, toxine, la petite toxine. Et enfin, la perte du piégé. Au niveau des points paragon, nous avons d'abord vitesse d'attaque, vitesse de déplacement pardon, pour arriver jusqu'à 25 intel, ensuite en attaque, dégâts critiques, chance critique, vitesse d'attaque, réduction de temps de recharge, défense, armure all res, régénération de vie, point de vie et enfin réduction coût en ressources, dégâts de zone, vie par coup et la découverte d'or enfin. Au niveau des sorts, électrocution vague de puissance pour régène, rayon de givre avec sang froid pour proc la météorite 3, téléportation avec calamité pour stun les mobs et proc les dégâts arcane, familier éclat de silex, proc feu plus augmentation de dégâts. Conduction, enchantement de l'arme, conduction pour régène et booster les dégâts, armure d'énergie, absorption, augmentation de la régénération et réduction des dégâts avec l'armure. En passif, sensibilité élémentaire, dragon de papier, présence astrale. Pour augmenter votre régène et Ardiès pour augmenter vos dégâts au cac. Dragon papier également pour augmenter vos dégâts et sensi aussi. Allez, c'est parti pour une petite démonstration. Attention, c'est parti les gars. On se buff et c'est parti. Wow, mais légendaire, oh, une du Templier, de toute façon. Thank you.
Ici le boss, regardez. Voilà, plus de boss. Voilà le gameplay du Speed Solo Sorcier. Très très vite, c'est très jouissif de TP partout, d'aller vite, de tout OS. Là. Bon, je peux vous dire que ça va extrêmement vite pour farm. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit tuto build. N'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch. Et vous pouvez retrouver le lien de mon armory sous le stream. Et également de mon stream Twitch TV. À bientôt. Ciao, ciao.